dit bataille de Cluny. Et ailleurs, dans toute la Saône-et-Loire, on parle généralement de combat, d'embuscade, de coup de main ou de sabotage. Alors peut-être est-ce la survivance d'une tradition orale ou journalistique, mais de toute manière, je crois que cette dénomination de bataille est tout à fait justifiée. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'étendue des zones d'action envisagées initialement par les deux camps, de part et d'autre, et ensuite la zone effective des combats. Une autre raison, c'est le volume des forces et des moyens engagés dans cette affaire, très supérieur à ceux de tous les autres affrontements. Et puis enfin, ce nom de bataille, je crois, se justifie par la durée et la nature de l'opération, offrant absolument toutes les caractéristiques et les phases, à un modeste échelon, celui du régiment, d'une bataille depuis sa conception jusqu'à son achèvement, passant par la conduite de la manœuvre. Alors je crois que ce qu'il est nécessaire d'ajouter, c'est que cette situation n'est pas venue d'un seul coup. Elle est le résultat d'un long travail des résistants de la première heure, qui ont un peu tiré les marrons du feu, non seulement en se brûlant les doigts, mais en y laissant leur vie. Au cours de l'année 40, j'ai essayé de recruter des gens dont je pensais qu'ils étaient décidés à poursuivre la lutte et à lutter contre le nazisme, quoi. Et la lutte contre le nazisme, c'était la question primordiale. Dès que la résistance a pris cours à Cluny, c'était le groupe Jean Renaud. Dès que ce groupe a été créé, j'en ai fait partie, jusqu'au cours de l'année 42. L'année 42, date à laquelle j'ai fait connaissance de Roger Angevaux, le capitaine Raya, qui était responsable FTPF pour le sud du département. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici... Parce qu'en 40, quand il y a eu l'appel de Gaulle, Darfeuil, Moreau et Gorgette, hein, ils ont écouté l'appel de Gaulle et ils ont eu l'esprit résistant, mais matériellement ils n'ont rien pu faire, ils l'ont fait par la suite. Une des premières choses, c'est le premier parachutage le 28 octobre 1942. Je pense qu'on avait les coudées beaucoup plus franches pour agir que ceux qui étaient en zone occupée. Quand les gars de Cluny, gars de la casque 42, qui n'ont pas voulu partir au STO, ont décidé de partir, mon époux a pris Jean Alix, ils sont montés à Blano avec Jusseau pour chercher un coin qui serve de maquis. Alors là, il y a un brave garçon qui s'appelait Georges Moreau. Sa ferme était à Montépinay. On disait couramment Montépinay. Et alors, ce garçon a mis les granges, les fenils, tout à disposition pour les premiers gars qui sont montés là-bas. Et après, ils sont tous retrouvés là. Cluny hébergea pendant plusieurs mois de l'année 1943 Bertie Albrecht et Henri Freinet, fondateurs du mouvement Combat, un des principaux mouvements de résistance au plan national. La répression allemande n'épargna pas Cluny. Le 14 février 1944, eh bien, à 5 heures du matin, on a entendu les Allemands qui arrivaient, mais à ce moment-là, c'était la Wehrmacht. Il y a eu des Allemands de mise en faction à toutes les routes accédant à Cluny pour empêcher les gens de sortir des maisons. Et vers 8 heures du matin, la Gestapo, avec des gendarmes qu'elle avait requis, est venue dans les maisons arrêter les personnes qu'elle voulait arrêter. Ils sont venus m'ont demandé mon mari.
J'ai dit, mon mari, je ne sais pas où il n'est pas là, il est parti. Et ils sont repartis et revenus en disant, madame, on a ordre de vous arrêter. Parce qu'on a souvent dit que les femmes avaient été arrêtées à la place de leur mari, mais non, beaucoup de femmes ont été arrêtées parce qu'elles secondaient les maris dans la résistance. Et ça, ça se savait. Il y avait des listes qui avaient été données. Le jour du 14 février, il est parti 74 clunisois. Débarquement allié le 6 juin 1944, Cluny se considère comme libéré. Et après les premiers maquis qui étaient légers, mobiles et discrets, la résistance s'est trouvée devant un problème très difficile à résoudre en raison de l'afflux des réfractaires de toute nature, en particulier des STO, qu'il lui a fallu implanter, équiper, nourrir et armer. Et dans ce dernier domaine de l'armement, elle a bénéficié de l'assistance d'un officier britannique, dont le nom de résistance était Tiburce, de l'intelligence service, qui lui pouvait obtenir de Londres des parachutages massifs, tels que ceux du 14 juillet en plein jour, avec des parachutes tricolores observables même de Mâcon. Avec le capitaine aviateur pilote de chasse de réserve Bazot, s'est installé ce qu'allait devenir le régiment de Cluny avec une structure militaire, des compagnies, des bataillons. Bien entendu, la notion de clandestinité avait quelque peu disparu. Je me rappelle fort bien les rues de Cluny, le soir, en fin d'après-midi, c'était un été extrêmement radieux, ensoleillé. Alors on voyait des gens qui descendaient des camions, l'arme à la bretelle, et qui allaient s'installer aux terrasses des bistrots, en particulier du Café de Paris, en racontant leur coup fumant de la journée sur la RN6. Sur le champ de foire, on pouvait voir Cugnier et Tatin de Moreau distribuer le ravitaillement aux camions des unités. Il est bien évident que dans ces conditions-là, la ville était entièrement compromise aux yeux de l'occupant. Alors je crois que les Allemands de Mâcon se trouvaient exactement dans la situation de tous les Allemands. Rappelez-vous ce qui se passait au début du mois d'août 1944. La 3e armée américaine, général Patton, a percé Avranches, elle est en train de se répandre en Bretagne. Les forces américaines obliquent en direction du Mans et de Paris, les Russes sont sur la Vistule, ils entrent en Pologne. Et pour les Allemands, le maintien de leur communication sud-nord à l'intérieur du territoire français est une nécessité absolument vitale pour eux. Et je crois que ceci est particulièrement vrai dans le secteur de Mâcon, où, comme vous le savez, la route, la voie ferrée et la voie fluviale de la Saône sont étroitement juxtaposées. Alors les Allemands de Mâcon, exactement comme les Allemands d'ailleurs, doivent faire face à une double menace, celle des obstructions, des sabotages sur ces axes de communication. Et il est clair pour eux, en ce début du mois d'août, après tout ce qui s'est passé les semaines précédentes, que les bases de départ et de recueil de ces harcèlements se situent autour de Cluny. Séparé de la vallée de la Saône, donc de Mâcon, siège du commandement allemand, par toute une série de hauteurs parallèles et boisées. Si bien que, pour garantir cette liberté, et profitant de cette position géographique, Cluny a pris un certain nombre de dispositions. D'abord, la mainmise sur les points de passage obligés de ces hauteurs boisées, qui deviennent autant de verrous, soit défendus et occupés, soit obstrués. Alors il y en a un certain nombre. Le Bois Clair, sur la nationale 79, qui est l'accès direct depuis Mâcon. La route de Hazé, en passant par Donzil-Pertuis et qui aboutit à Cluny, est obstruée par des abatis.
la route de Massilly est gardée en permanence, et à la Croix-Montmain, il y a là des maquis. La deuxième mesure, qui à mes yeux est extrêmement importante, c'est l'organisation du renseignement. Le renseignement est recueilli d'abord à vue à partir des belvédères tels que le mont Épinay où se trouve le maquis de Crux. Les renseignements sont fournis par la gendarmerie, par la population, y compris la population de Mâcon grâce à des agents de liaison courageux circulant entre la Saône et la Grône en apparence bien innocents ou innocentes dans leur robe d'été. Dernier moyen de renseignement du système de Cluny. Il est extrêmement précieux. Il se situe à la sortie de Mâcon, à la Coupée. Un ancien des PTT a installé dans sa maison un poste téléphonique relié à Cluny. Et de chez lui, il peut surveiller toutes les sorties allemandes par la route 79 en direction du Bois-Clair, donc de Cluny. Et le premier avis du mouvement allemand sur Cluny sera donné par ce poste, le PCY, du lieutenant Pi, dans la nuit du 10 au 11 août 1944. Le texte du message était sensiblement celui-ci, « Important convoi allemand passe sous mes fenêtres et se dirige vers Cluny ». La décision de défendre ferme Cluny contre une attaque allemande a été prise compte tenu des conséquences dramatiques prévisibles en cas d'échec. Et en même temps, Bazot a cherché à adopter, autant que faire se pouvait, le dispositif le plus adapté que possible dans l'ignorance des intentions exactes des Allemands. Les possibilités allemandes étaient tout de même limitées. Ils pouvaient atteindre Cluny directement par la Nationale 79, par le Bois-Clair. Là, ils se heurteraient au verrou du Bois-Clair. Ils pouvaient venir par Azé, dont ils pertuis, ils se heurteraient aux abattis de la route. Ils pouvaient venir également par Pierre-Clos, Bourvilain, pour arriver à la Valouse. Et dans cette ignorance des intentions exactes de l'adversaire, Bazot avait rameuté des réserves très importantes tout autour de Cluny, en attendant que le voile se déchire sur les intentions réelles de l'Allemand. Alors ensuite, le voile s'est déchiré. Il s'était déchiré progressivement dans le temps de la manière suivante. Le premier contact a été pris à Verzé, vers 4h30 du matin. Les Allemands se sont heurtés au verrou du Bois-Clair vers 6h30. Une troisième colonne, par Pierre-Clos, le col des Anciens et Bourvilain, s'est dirigé sur la Valouse qui a été atteint vers 9h. Au Bois-Clair, il y avait deux détachements, un détachement AS aux ordres du lieutenant Picard et un détachement FTP qui était aux ordres du lieutenant Bonin. Le verrou du Bois-Clair tient bon et l'attaque semble être stoppée. Il en va un peu différemment à la Valouse et Bazot fait appel à de très importants renforts des maquis du bassin minier qui sont dépêchés sur la Valouse, où se déroule un combat absolument acharné qui va revêtir dans la suite de l'opération une importance absolument capitale. Car au sud des bois de Vaux, ces maquis du bassin minier interdisent à l'Allemand le franchissement de la Grône et surtout l'accès de la départementale 22, libre, elle, et qui conduit directement à Cluny. Le 11 août, lorsqu'ils sont revenus à Cluny, nous étions en renfort avec ma compagnie en entière, et puis nous avons combattu à la Valouse. Et puis les Allemands, bien sûr, ils ont perdu pas mal de bonhommes. Le bataillon du Charolais, lui, s'est déployé plus largement vers l'ouest. Et par ailleurs, encore plus loin, après Azé, nous étions soutenus par les maquis de Saint-Jean-Goux. Si bien qu'on peut effectivement parler d'une bataille quand on voit le front occupé par les troupes du maquis qui atteint à peu près une trentaine de kilomètres. À Verzé, c'est-à-dire
c'est-à-dire sur l'aile droite allemande, le contact a été perdu. Le contact n'avait été pris que par un petit groupe qui s'est replié en attendant des renforts qui vont être dirigés sur lui par Bazot et commandés par le capitaine Gérard Genevès. Mais au Bois-Clair, la situation va se compliquer. Alors que l'attaque paraît stoppée vers 8h30, apparaissent dans le ciel de Cluny trois chassons bombardiers qui matraquent la ville et ensuite retournent au Bois-Clair pour mitrailler les lisières et les fourrés où se trouvent les défenseurs du col. Si bien que vers 10h, les Allemands ont atteint le col et même ont pu le descendre jusque dans les parages de la départementale de Cluny et de la nationale 79. D'où, avec leurs mortiers et mitrailleuses, il ne leur est peut-être pas possible d'atteindre Cluny, mais où ils peuvent observer et gêner les renforts qui pourraient éventuellement être envoyés au Bois-Clair. Alors pendant le mitraillage du Bois-Clair, et alors que la Valouse tient, les renforts de Genevès ont progressé en direction de Verzée pour reprendre le contact avec les Allemands. Ils ne le trouvent pas. Il est probable que cette aile droite allemande, cette colonne de droite, grave erreur, s'est repliée sur le centre et de progression en progression, cette colonne de Genevès arrive tout près de Verzée-le-Châtel et s'approche de la route venant de la Croix-Blanche lorsqu'il voit apparaître sur cette ligne droite de quelques centaines de mètres ou près d'un kilomètre une colonne de cars et de camions remplis d'Allemands, vraisemblablement le deuxième échelon allemand gardé en réserve à la Croix-Blanche et qui, après la prise du Bois-Clair, s'élançait vraisemblablement pour aller occuper Cluny. Alors Genevès rameute tous ses fusils mitrailleurs, 13, il les fait mettre en batterie au plus près de la route, simultanément ils ouvrent le feu sur cet objectif et vident jusqu'au dernier chargeur. Les pertes allemandes sont sûrement considérables à tel point que les Allemands vont stopper et démonter l'opération, d'une part devant la menace qui pèse sur leur flanc droit, devant la résistance de la Valouse. Et dès 17h, les éléments de la Valouse et les défenseurs du Bois-Clair dispersés dans le massif forestier vont dans une certaine mesure mener une contre-attaque et réoccuper les positions perdues le matin. Si bien que l'on peut considérer qu'à 20h, la victoire de Cluny est totale, de Cluny de toute la Saône-et-Loire, avec ses maquis venus du bassin minier, et l'Allemand ne reviendra plus. On peut dire qu'il a homologué la décision de Cluny du 6 juin 1944. Et à côté de cette caractéristique assez rare dans les combats du maquis, une bataille de défense ferme, il n'y aura pas eu de représailles à la suite de cette victoire. Conséquence de cette victoire qui est due au courage de tous ces maquisards, à la clairvoyance de Bazot, était une très grande joie et une très grande fierté. Et peut-être que des gens avaient envisagé d'aller attaquer Mâcon, ce dont il n'a jamais été question à ma connaissance. Les compagnies du régiment Cluny mènent des actions de harcèlement tout le long de la Nationale 6. Puis le 4 septembre au matin, plusieurs compagnies entrent dans Mâcon et occupent les points stratégiques de la ville. Les compagnies Fruitier, Duchafaud et Jagnac participent au combat de Sencel-Grand avec les SAS. Elles auront un certain nombre de tués. Les SAS Special Air Service, commandés par De Combeau, sont venus de la Bretagne où ils avaient été parachutés. Ils furent presque tous décimés lors du deuxième passage dans la rue principale de Sencel-Grand. Alors un an plus tard, les mêmes maquisards
défileront pour le premier anniversaire de la bataille de Cluny à Cluny, le 11 août 1945, et une grande partie sous l'uniforme du 4e bataillon. Il s'appelait d'abord le commando de Cluny. Il est devenu le 4e bataillon de choc que le 5 janvier 1945. Il a combattu devant Montbéliard, devant Belfort, en Alsace. Il a monté la garde au Rhin et puis ensuite, dans une chevauchée du Rhin jusqu'au Danube, il est allé en 2 jours de Gemersheim jusqu'à Ulm, derrière les chars de la première division blindée dont il assurait les armes.